Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure iRacing. On se retrouve aujourd'hui pour une petite course en ovale sur le circuit de Phoenix en Truck Series. Un combo qu'on n'avait pas encore testé. Et on va voir ce que l'on peut faire. On est parti pour 25 tours. On commence avec la qualif. Sans aucune prétention avec ce pick-up que je maîtrise de manière assez modeste, et sur cette piste je n'aime pas du tout parce qu'on est en fait entre deux rapports de boîte. Toujours la sensation de devoir repasser en 3 pour récupérer du couple, mais j'ai peur de partir en tête à queue à chaque fois, donc je suis vraiment très très limite. Donc ce sera vraiment une course d'attente, course d'attente avec comme volonté toute simple d'arriver au bout sans passer par les box. Allez, là on a perdu du temps évidemment, et une fois que c'est parti un peu en glissade, le chrono est à mettre à la poubelle. On est P4, mais ça ne veut rien dire, puisqu'étant donné qu'on est parmi les premiers en piste, beaucoup de monde vont nous passer sous le nez, je pense. Même s'il n'y a pas énormément de joueurs. J'ai pas vu combien on était pour cette session. Allez, surtout, ne s'ouvrir pas un petit peu, histoire de m'aider à gagner du temps. Voilà, comme ça, c'est réglé. On est en retard, donc on ne fera pas mieux que le chrono que l'on vient de réaliser. All right, there's the checkered flag. On est P4, mais il y a peu de monde qui vont, je pense, rentrer un chrono dans ces courses sont random. Écoutez, on va voir où on se place sur la grille, on se retrouve là-bas dans quelques secondes. On va pouvoir lancer le tour de formation. Alors on n'est pas beaucoup, je crois qu'on est 13, quelque chose comme ça. Donc on va essayer de ne pas se mettre dedans. Ce serait bien de faire un podium, honnêtement. Il y a 25 tours, ça va être très long. Le mec derrière moi est déjà en train de jouer au con. Sorry about that, number 4. Sorry. Alors évidemment, on est à l'heure du goûter, hein, donc ça explique pourquoi la moyenne d'âge est en dessous des premiers poils sur le menton. Allez, on est bien en deuxième. Le pace car va s'écarter et on va pouvoir lancer la meute. La meute. Le groupuscule, parce qu'on est que 13, mais bon, ça peut être fun, on va voir. Regardez, il y a déjà le 6 qui est en train d'ouvrir le peloton en deux. Green, green, green. Moi je vais rester en 3 pour le premier virage. C'est bien passé, les 3 premiers ont pris un bon départ. Ça touche pour Jody. Jody qui est très large, on le suit. Un peu moins grave, mais frôle le mur. On est P4 pour l'instant, à l'issue du premier tour. Alors je freine très tôt dans le premier virage. Ça va peut-être me porter préjudice, mais le garçon derrière a l'air de savoir ce qu'il fait aussi. Pour l'instant, on est dans un bon train. Devant, par contre, le garçon a l'air un peu plus perdu. Et il s'est loupé.
on monte P3. Il y a beaucoup de sous-virages autour de moi. Moi ça va, j'en souffre, mais c'est moins grave, je pense, que mes petits camarades. Toujours Jody derrière qui peut nous attaquer, je crois. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. J'aimerais bien être un peu plus bas sur l'ovale, mais j'ai pour l'instant pas le grip ou la bonne trajectoire. Je rentre peut-être trop fort dans les virages, hein, c'est un de mes défauts. Vous le savez. Allez, toujours P3. Freine beaucoup. Là, j'ai beaucoup freiné. J'ai toujours envie de repasser cette troisième. C'est d'instinct, en fait. Mais le moteur est tellement coupleux qu'il n'y a pas besoin. Allez, on freine bien. Essaye de bien inscrire la voiture dans le virage. Regardez, un peu trop là sur virage, ça a glissé pour la première fois. On est au quart de cette épreuve et derrière ça doit freiner aussi. Il y avait une voiture qui était arrêtée sur le haut de l'ovale. Et encore une voiture, je pense, plus loin. Ça commence à se plaindre du niveau. Et en parlant de niveau, le mien est en train de se détériorer un petit peu. En tout cas, Jody est toujours très à l'affût. Je freine très fort dans ce virage-là. Mais c'est dur d'attaquer. Dites-vous que Jody peut aller plus vite que moi, c'est clair. C'est clair et net, il est plus rapide. Allez, allez cocotte. Frôler le mur, mais on n'a pas pris de dégâts. Là par contre on a été poussé par Jody qui commence à s'impatienter, ce que je comprends tout à fait. On va pas non plus tout faire pour rester devant. Si on fait P4 ou P5, j'en serais très content. C'est vraiment pas l'objectif de mettre le bazar dans le haut du peloton. On va juste se défendre et si à un moment donné, ben voilà, il est vraiment trop à son avantage, on le laissera passer, mais on va pas non plus lui ouvrir la porte, c'est pas le principe. Allez. On a passé le cap du tiers de cette épreuve. Très sérieux pour le moment. J'essaie de me concentrer. Hein. Dites-vous que ça change un petit peu des courses qui vont graviter autour de celle-ci. Avec notamment une course d'IndyCar qui vous sera proposée en VOD de la nuit des abonnés qui a été assez compliquée à Laguna Seca. Si elle n'a pas d'ailleurs déjà été proposée en VOD. On a freiné fort. Et on est bien inscrit dans ce virage pour le moment. Brett est en train de fuir. Craig également en tête. Quoique Craig n'est pas en train de fuir tant que ça. On arrive à le tenir. Voiture au ralenti devant. Attention tout de même à ne pas se faire piéger. Vous savez que c'est un peu ma hantise, hein, les retardataires. C'est souvent moi qui en paie les pots cassés. Sans doute par manque de discernement de la situation. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. De voir mon rythme ou ma trajectoire perturbée par un pilote au ralenti. Alors évidemment, il n'y a pas de blue flags, donc je ne sais pas quoi faire, pour être tout à fait honnête. Évidemment, moi je ne peux pas dépasser, je pense que Jody va en profiter. On le ferait évidemment aussi. Par contre, ce serait bien, allez, de garder la corde ici. Allez cocotte, voilà. On est passé. C'était un des points, je pense, les plus durs. On est au cap de la mi-course. Maintenant, toujours avec Jody à l'attaque. On va essayer de l'emmener un petit peu. Voilà, sans trop en faire, évidemment. On essaie de rester le plus propre possible. Devant, on arrive dans les retardataires. Alors, on n'est pas beaucoup, donc ça devrait pas trop mal se passer. Devant, on a une voiture qui lèche le mur abondamment.
Ça me fait très peur pour tout vous dire, mais on va essayer de garder son calme et de prendre le temps d'éviter les cotorètes. Voilà, c'est fait. En tout cas, la voiture jaune a l'air d'être pilotée par un génie du jeu vidéo. Allez, on continue. Et toujours P3. Je n'avais pas remis les relatives, veuillez m'en excuser, vous avez désormais les écarts. Donc on est parfaitement 2 secondes 9 devant, 2 secondes 9 derrière. On est bien installé sur cette troisième place, qui est l'objectif, hein, avoué, de cette course. Sans aucune prétention, sachant qu'on n'est pas 25, on n'est que 12-13. Le sous-virage qui fait mal, on a eu un contact avec le mur, ce qui fondamentalement n'est pas énorme. Quand on voit ce que certains ont déjà subi depuis le début de cette course. Alors je dois vous avouer que je fais un peu cette course pour me réconcilier avec l'Oval, parce que j'ai eu beaucoup de très très mauvaises expériences sur iRacing ces derniers jours. N'ayant plus touché beaucoup au jeu non plus, hein, vous le savez, il n'y a pas eu d'épisode pendant quelques temps. Il y en aura de nouveau très très peu, mais il y en aura quelques-uns comme celui-ci, je l'espère, s'il sort et si je vais au bout sans me prendre quelque chose. Donc voilà, on va essayer de faire ça un peu plus régulièrement comme je vous l'avais promis, mais comme je l'expliquais lors de la course courue pendant la nuit des abonnés, c'est pas toujours facile de concilier vie IRL et sim racing. Voilà, comme ça vous savez tout. Allez, on était un peu plus facilement rejoint l'intérieur. Là, on a plus facilement été rechercher la corde. 3 secondes 6. On a perdu, on était remonté à 4 secondes sur Justin Johnson, qui a récupéré la 4ème place à Jody. Ça se bat bien, hein. Le top 5 est propre, c'est très plaisant. Derrière, je peux pas trop émettre un avis. Heureusement, je n'y suis pas. Je reste devant 3 secondes 5. Ça remonte, hein. Justin, qui a l'air d'être bien à son affaire. 18ème boucle entamée. Il nous en reste 7 à parcourir. 8 plutôt. Devant nous, on a le troisième. Le deuxième, pardon, mais avant, il y a un retardataire qui est dixième. Sincèrement qu'on ne va pas se faire, comme on dit, shooter, désolé, hein, mais là pour l'instant c'est une course très agréable pour moi, bien concentré. Il n'y a pas l'enjeu du safety rating, donc on n'est pas non plus hyper stressé, mais on essaie de faire ça proprement et sérieusement pour montrer que parfois ça peut aussi bien se passer, ça ne se termine pas toujours par un carton, en tout cas je l'espère. Après ça reste de l'ovale, ce qui ne plaît pas je peux comprendre à tout le monde. Allez, on réaccélère bien, toujours cette, ce pick-up jaune, hein, qui depuis tout à l'heure fait vivre le cauchemar à beaucoup de monde, ouf, dont à moi. Donc là j'ai perdu pas mal de temps et je vais sans doute me faire rattraper par Justin, qui était déjà plus rapide, mais là j'ai donné un gros coup de frein qui va peut-être m'être fatal en fin de course. 2 secondes 4 maintenant et 5 boucles de ce circuit de Phoenix à couvrir. On y croit à ce podium. Quelque chose comme moins de 3 minutes de course, on va rester concentré. Devant nous, on a la voiture qui est 9ème. Daveni. La fumée de moteur, ça ne vient pas de sa voiture à lui, je crois. Non, il y a une autre voiture qui est au ralenti plus bas sur l'ovale, qui est en train de rentrer au box. 1 seconde 5, attention, on est à Justin qui revient derrière. Justin Johnston, que l'on voit dans les rétroviseurs revenir. Attention, on rappelle qu'il n'y a pas. Alors, c'est sorti. C'est sorti, évidemment. Car outside. Oh no. You're absolutely in a total jackass. You are smoking that bad. You're just trying to take people out. Great. You got two laps to go. Yeah.
be great when I'm going to file a protest on that one, but that would be purposely done. Allez, on essaie de rester concentré de notre côté. Il reste quelques boucles, deux boucles, avec Justin qui nous a rejoint. Là, le palpitant est en train de s'emballer. Parce qu'on sait que Justin est plus rapide. Devant nous, on a le 9e. Qu'on aimerait bien dépasser. Car outside. You just got the white flag. That means one more lap to go. Oh, et Justin qui s'est fait... Ah, c'est dommage. Oh, quel dommage. Justin qui allait nous remonter. Ah, je suis triste. Je suis déçu. Vraiment, c'est sincère. Je suis vraiment déçu pour Justin. Drapeau blanc, dernier tour. Est-ce qu'on va aller faire cette troisième place maintenant que Justin est dehors? On va pas aller chercher les voitures devant, regardez ça. C'est chaud entre les deux devant. Dont le deuxième. Le deuxième est là, pick-up noir, Brett. Faites qu'il ne le sorte pas, ce serait bien, parce que ce serait pas mérité. Allez, c'est fait, voilà. Podium. C'est terminé, troisième place. Alright, there's the checkered flag. Great job, you did really well. Hey Justin, sorry to what's happened to you, but the fight could be good, but sorry, someone just pushed you off two laps before the end. Sorry. Et bien voilà. Good run, Craig. I was trying to get up there and catch you till some kid decided he wanted to play wrecking games. Yeah. Okay, the race is over. Bring it on in. Oh, right. Kid, you're exactly what's wrong with this racing game. Exactly what's wrong. Il a raison. You know what, Christopher? Go back to Project Cars. It fits your level, honestly. Est-ce qu'on va faire rire? S'il y en a un qui peut rire en vocal, ce serait drôle. Allez, c'est dommage qu'on n'a pas fait rigoler quelqu'un. Bon, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'aventure iRacing. Ça peut donc bien se passer en Truck Series ou en Oval. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, il y avait pas mal de tensions. On a failli se faire avoir. On aurait pu faire P4, P5 ou finir dans le mur. En tout cas, on termine un joli troisième rang. Merci d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous très vite pour la suite de l'aventure iRacing. Et d'ici là, bon amusement en piste, quelle que soit votre simulation favorite, évidemment, les amis. Allez, salut !